Comment ça sera autant Ah, des fois, il y a des trucs, c'est incroyable. Hein. C'est moi, ma mère, elle a déjà caché ma box dans le jardin. Quoi. Ah oui, putain, c'est raison. Bon, genre, j'étais là en mode, je cherchais ma box pendant toute une journée, elle était dans le jardin. Genre, derrière des plantes, genre. Attends. La box d'internet. Ah ouais. Ouais, la box d'internet. Je suis sûr qu'il y a moyen que mon père connaisse tes parents. Trop bien, mon soleil. Regarde, hein. Ah, c'est là. Allez, mais... Trop de sous. Vas-y, vas-y. Combien de temps? Quoi, c'est? On est ensemble. Bien, tranquille. C'est bon, là-bas. Personne. Personne. Il faut vraiment que je retourne. Putain. Non, je vais te montrer. Hein. Oh, j'ai perdu 6 kilos. T'as perdu 6 kilos? Depuis que j'ai arrêté la salle. T'as perdu de où, là? Il n'y a pas de noces. Non, c'est vrai, c'est chaud. J'ai passé ma vie à la salle. Alors, moi, je m'appelle Richard Tran. Je viens de Marseille. Et mon pseudo, c'est Spoiler. Et j'ai 18 ans. Alors, actuellement, je suis joueur pro, en gros, pour la structure MCS en tant que, du coup, joueur Fortnite. Mon Joe, c'est Cracky. Et dans l'équipe, on est 6 actuellement. Moi, ma famille, ils voient ma carrière. Alors, au début, c'était spécial. Donc, genre, ma famille, genre, sa mentalité chinoise à l'ancienne. Du coup, les jeux vidéo, c'est pas un métier. Et après, au fil du temps, ils ont commencé à comprendre. Au début, ils voulaient pas du tout. J'ai fait ma première LAN dans l'e-sport. Ils ont vu que ça s'est assez bien passé, on va dire. Et après, ils n'ont pas forcément voulu que je continue, mais avec la structure, etc., tout ce qu'il y avait derrière. Au final, après, ils ont vu que c'était du sérieux, du coup, ils m'ont laissé continuer. Après, quand on peut, ben, on rentre voir notre famille et tous nos amis, du coup, et faire ce qu'on a besoin. Après, on a des jours off pour se reposer, faire ce qu'on a besoin, se faire sortir, etc. Alors, mes objectifs, on dira, à court terme, c'est le tournoi qui va être ce week-end, donc un tournoi en solo à 100 000 $, le cash prize. Et en long terme, c'est d'essayer de monter... d'être le meilleur possible en gros, d'être le, même le meilleur joueur du monde. Sur où les verres s'il te plaît? En haut. Tu mets tout ça? En dessus. Laurent, tu veux verre? Oui, je t'en sers. Non, c'est bon. Je Arrête. Le stream est pas bon. Ah ouais? Non, mais arrête. Ils sont au micro, je sais même plus où je les ai foutus. Tu l'as pas oublié dans le micro-ondes? Tu spoil là, à moi, il a fait ça. Il a fait quoi? Des couverts dans le micro-ondes? Ouais, il me fout. C'est le plus vieux. Je m'appelle Lucas Paria, j'ai 17 ans, je suis joueur pro pour l'équipe MCS pour le jeu Fortnite. Je viens de Nîmes. Ma famille pense que au début ils n'étaient pas très chauds jusqu'à que je rentre chez MCS, qu'ils parlent ensemble. Et quand elle a vu que c'était du sérieux, elle a directement accepté. Elle m'a fait arrêter des cours pour faire le CNED. Et quand elle a vu le salaire, voilà, elle était OK, quoi. Mes objectifs sont déjà essayer de me qualifier pour la finale en solo ce week-end et essayer de finir premier pour remporter un peu de cash prize. Et pour les Worlds, mon grand objectif, c'est de gagner les Worlds. Et déjà, le plus important, c'est de se qualifier avec mon duo, Richard, les Spoilers, et en solo, quoi. Et puis on gagne, quoi. Oh, c'est qui passe, hein. Il y a tout qui passe. Le plus dégueu, c'est les épinards, je pense. Ouais, je peux pas les manger. Ah, ouais. Je pas testé encore. Mais c'est tout dans le même. Non, j'ai goûté. T'as fait l'effort de goûter, si j'ai assez l'effort. D'habitude, je goûte même pas. T'as fait l'effort de goûter. En plus, hier, j'ai mangé des épinards. Mais du sel ou bien? Moi? Ouais. Après, tu vas te cacher que tu m'as donné du sac de Guérande pour saguer des frites. Alors? Tu sais quoi le sac de Guérande ou pas? Non. Okay. Tu fais pas beaucoup à manger, toi? Mais ça part pas, non? Si, vas-y, pas toi. Qu'on devait dire ce que ce qu'on a besoin là. Samy. Oui, oui. Okay.
En fait, je crois que c'est Samy qui avait cuisiné sur la plaque la dernière fois. Mais il n'avait pas mis justement des frites aussi? Comment? Il n'avait pas mis des frites aussi? Ouais, mais après il avait fait sur ça. En fait, je crois qu'il pose, il chauffe, il n'étend pas et après il change le truc. Bon, c'est bon, non? Ouais, je pense. Ouais, vas-y, on sort les frites. Oh, Squall, tu veux prendre la relève? Tu me frottes! Alors oui, je suis cofondateur de, mon club e-sport à la base. Après, c'est devenu MCES, l'acronyme. MCES, on est sur trois axes. Donc il y a les gaming centers, c'est les salles où on a la location horaire des événements et un tas de choses. Des salles où on sort les gens de l'isolement et on sensibilise à l'addiction. Ensuite, on est sur un autre axe qui est MCES Academy, où là, en réalité, peu importe le wording, on parle de club, notamment presque de club de quartier. Donc là, c'est vraiment encadrer la pratique avec du coaching et venir y mettre du sport traditionnel. Il est prouvé pour nous qu'une bonne condition physique fait un meilleur joueur d'e-sport. Et MCES au niveau pro, ben là, nous, on est sur la recherche de la performance avant même l'image. C'est, on va dire que c'est un job de sport de haut niveau. Ils ont la vie un peu comme des footballeurs, de sportifs de haut niveau. Donc, est-ce que c'est un job normal? Non, parce que ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande les mêmes sacrifices qu'un sportif de haut niveau. Ils voyagent à travers le monde, ça peut faire rêver, mais c'est quand même un rythme très soutenu. Donc, il faut être prudent et vigilant et pouvoir les laisser souffler quand il faut. Pour moi, il n'y a pas de débat, l'e-sport c'est du sport, puisque ça demande une bonne condition physique, une bonne hygiène de vie. Non, c'est bon, c'est juste une souris.
attention, on est en haut. Ouais. En face de moi, il y a un mec, je crois, non ? Tiens, je... non, non, c'est toi qui tire des trucs ? Ouais, c'est moi, c'est Denis. Ben, je m'appelle Laura Nasty-Desjoux, j'ai 30 ans et je suis coach actuellement chez MCES. On a des plannings chaque jour sur lesquels on fait des entraînements adaptés, des sessions plus poussées selon les exercices et après des exercices plus, on va dire, dans la compétition où on va travailler directement en situation réelle sur la communication, les stratégies et après il y a des phases de débrief, voilà, globalement. On a axé beaucoup sur le côté quand même aussi sportif et le côté sain d'un style de vie de joueur professionnel e-sport, c'est-à-dire qu'il y a deux fois par semaine du sport par un coach professionnel sportif. Donc en fait, nous, on se fait livrer des repas par Sodexo qui envoie du coup des repas équilibrés sur lesquels chaque fois, y a un peu de légumes, de la viande, c'est déjà tout préparé. Donc eux, ils n'ont pas trop à se préoccuper de ça et justement, il y a une alimentation qui est équilibrée et saine pour que ce soit pas lourd, qu'ils s'habituent à bien manger et qu'il n'y ait pas de soucis au niveau de l'alimentation, ce qui est important aussi dans leur entraînement et leur performance en fait. Pour moi, c'est pas un job lambda parce que c'est clairement un job qui me passionne. C'est de la passion qu'on met dans ce travail-là en fait, et on sait qu'après, de toute façon, on aura le temps de se reposer, on aura le temps d'avoir notre vie entre guillemets. Et, donc c'est juste, il faut l'accepter à partir du moment où t'es ok de travailler dans l'e-sport et de savoir que ta passion, des fois, ça peut dépasser les horaires de bureau et voilà, en fait, ça te gêne pas trop. Et si tu l'as accepté, c'est que t'es ok avec. Et toi, on va prendre pour des fous. T'as mangé ? Non, j'ai la KFC. Allez, direct KFC. Attends, tu sais quoi, hier, midi KFC, KFC, la fin de soir, KFC. Pourquoi tu manges maintenant ? Comment ? Pourquoi tu y vas au bas maintenant ? Bitter. Ouais, parce qu'en fait... Déjà, il est, tu vois, il doit être fidèle à KFC parce que sur Twitter, il s'en fout là à lui. Ouais, ah ouais, j'ai pleuré. Vraiment ? J'ai pleuré quand il m'a vraiment. Je suis sûr que c'est vraiment vrai. De quoi ? Tu sais, je te vois vraiment pleurer quand t'es mort KFC. Ah, j'ai pleuré. C'est DJ AQ ou pas ? Je vais représenter. Hein ? Tu sais DJ AQ ou pas ? Il y a le chouette qui a Oslo, il m'a dit pour toi. Ah, il y a Oslo, sûr. T'inquiète, on va ramener le trophée à la maison de Gotaga là. Il y a Alpha, Astro. Mais ouais, t'en es combien ? 10. 4, 5, 6, 7. On est 7 quoi. Ouais, mais il manque des gens. Il manque des gens. Ah, c'est bon, il y a Dogby et Nap Nap, ils vont jouer. Ils ont fait le top combien, Orki et Andy, quand ils avaient fait le top 6 et 5, je crois. Ouais. 6 et 5. Dans la moyenne, genre. Ouais. Frère, je vais faire un top 10, mon pote. Ouais, ça va. Je vais le représenter dans le top 10. Non, en vrai, il y a 5 joueurs, on va voir. Il y a moyen de faire un truc, dans tous les cas. C'est un peu... moi de base j'ai mon appart, mais là vu qu'il y a tout la team là qui est partie, du coup là on est venu à la villa là avec tout le monde, enfin il n'y a que la team Fortnite du coup, et ouais on a chacun notre chambre, mais sinon non, parce que justement en gros, non en fait il y en a qui sont un par chambre, et les tannins ils sont genre trois par chambre, et genre moi si je venais, on était genre trois par chambre, du coup j'ai pris mon appart. J'oublie tout le temps qu'il y a des cours encore. Ah, c'est pour des cours. Des cours. C'est abusé, je te jure, même. Quand t'as plus les cours, c'est abusé. C'est trop bizarre. T'oublies que ça existe, les cours. Vraiment. C'est important. Hier, j'ai cru que mon téléphone, il n'allait pas se rallumer.
Il s'est éteint. C'est jamais revenu. Passe chez Androïde. Tu verras. Hein? Passe chez Androïde. Ah, c'est pas. Je te jure que là, ce téléphone il crève. Je m'achète à nouveau. Je me prends Android. Ouais. Ouais, passe chez Androïde. En plus, comme ça, tu me feras toutes tes magouilles là sur le téléphone. Allez, tiens, tiens. Magie. Bah, en fait, c'est à 20h45. On a encore le temps. Ok, on met un truc scotché là. Comme ça, il y a un truc à la télé. Admettez. Vraiment. Je pense qu'il y a des trucs en train. Je te jure, il y a un mec qui a fait quoi sur YouTube. Il a fait une vidéo. Le titre, c'est Je tue MCS Polluer. Genre, sa vidéo, elle dure 5 minutes. Je passe 10 secondes dedans, t'es. Il a mis ma tête et tout, c'était fou furieux, les gens. T'as vu? C'est chaud, hein? On l'a vu? Non. En plus, à un moment, il passe ma tête en gros, là. En fait, il t'a tué combien de fois? Une fois? Une fois. Ici, on est pas trop qu'on veut passer. Si on tue encore des gens aujourd'hui, c'est que ça ne concerne pas que les 7 minutes plus tard, Wendy Renard prend de la hauteur et Lyon fait break. Le deuxième tour s'annonce tendu et moins facile que prévu. Ça tue ? À part que si Disco. On finit au Japon pour les championnats du monde de patinage. Pas de miracle, malheureusement, pour Vanessa James et Morgan Simon. C'est ça ? Ouais. Une magnifique performance technique. Vous le parcours qui a été le dans cette compétition. Sont tombés face à beaucoup plus fort, face au leader du championnat. Foudroyé par les crampes face à Misha Zverev, grâce à Goretzka. Score final 1. Moralité, faut pas embêter les garçons. Mais quoi, t'as fait qu'il s'est poussé 10 fois le mec. Maintenant dans TLS, vous allez découvrir Yannick Agnel comme vous ne l'avez jamais vu. Nous avons retrouvé l'ancien champion olympique de natation dans le sud de la France et dans un rôle complètement inattendu. Aïe. Un club de e-sport pour former les meilleurs compétiteurs en jeux vidéo. Le reportage de Richard Coffin, Fred Bazil et Lucas Gamon. Il refuse d'être abruti. Un hangar à Marseille. Putain, mais je connais ici. Toi aussi. Hein? Je l'ai dans le Jax. L'ancien champion quand il a gagné les Jeux Olympiques. Pour un autre costume, directeur sportif d'une équipe d'e-sport. Oh là là, la pendant que je fais ça, mais je suis en train de dormir. Normalement, on devait faire sport là, ce jour-là aussi. On avait dormi. On avait trop mal. Ce matin, j'en pouvais plus. J'avais pas mangé et tout en plus. C'est Malik qui t'appelle le sport. Non, Malik, il a fait mon sac, mais c'est qui? Un travail à réaction. Oui. Le sport en vrai, ça fatigue. Non, ça va. J'ai connu mieux, on va dire. Quoi. Pas de moquerie. Leur domaine de prédilection, le voici. Le jeu League of Legends, un des piliers du genre qui se déroule en équipe à 5. Avec un coach pour la stratégie. Petit aperçu de ce que cela représente avec la finale l'an passé en Corée du Sud. C'est trop stylé, c'est énorme. La vérité, je vais dans un stade comme ça pour aller compète. Mais quand c'est pour 5, ils ont fait un drone pro des s'entraînent, sont en compétition deux fois par semaine. Pour arriver là-haut, l'équipe d'NCES sait ce qu'il lui reste à faire avec un garçon qui connaît le chemin de la victoire. Allez savoir, peut-être qu'un jour l'un d'entre eux sera là. Ça va, il était bien le reportage en vrai. Ah, il est mieux que le petit morceau que j'avais vu là. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain au même endroit. Excellente soirée sur France. Ah, il était bien le reportage. Ouais, il était bien. Il y a une achieve sur mon ping, je l'ai ping. Parce que là, c'est vraiment cool. Ah, je suis mort. Je l'ai ping le mec. C'est bon. Ah, je suis trop con. C'est pas stylé, ouais. Hey, il est mis long. Tu peux me raise ? Ah ouais, c'est vrai que je peux raise. Ouais, je voulais. Oh, mais le bâtard! Tellement légère! Hey, il mange tous mes Mikado! Je m'en bats les couilles, c'est quoi le morceau là? C'est un morceau de
Elle est où? La bonne musique. Attends, faut que j'en trouve. Et juste après un grand pote. Pour l'inspiration, c'est notre phrase, mais je dis. J'évite le sort des Twin Towers. Sacré honneur, j'ai les moyens du film d'auteur. Les temps plus longs, costume power. Pris vitesse, tout va pas bien. Toute une jeunesse en surplus d'hormones. Je crois que mon ange gardien fait son business avec le croque-mort. Des jeunes en perte, au repère. S'il faut, ils te montent en l'air. On rappe dès qu'on s'emmerde. Si je tourne en rond, c'est que j'ai du plomb dans l'aile. Regarde dans le coin des flics qui boivent, des jeunes qui trinquent. On vieillit vite depuis tout petit. J'ai des cheveux gris comme petit truc. On bat des drôles de records. Trop de contenu pour en faire une playlist. Les kamikazes périssent. 9,57 pour un tour du périph. T'es mon regard, on aime le rap et la locale. Ou H24, j'ai mal au crâne. Mais bon, je me dis que c'est pas trop grave. Mais je fonce vers l'hôpital quand je fais grimper l'action de Pernod Ricard. Que de la défonce et l'île de France, on veut voguer vers d'autres rivages. Si mon corps c'est mon hôtel, alors j'ai plus d'étoiles. Je vois un pur sky, même quand je fume pas, je laisse une odeur de fumée froide. Oh, vas-y, mince. Réponds-lui, qu'il soit. Donne-lui ton Insta. Le prêt est court. Mais y'a ni instrument ni batteur. Un PC, un mic et une canette de Königsbacher. J'suis juste un jeune pirate, t'es sous l'effet de la rubicha. C'est le coup d'épée après CD, t'as les oreilles d'un rugbyman. Pour mon crew, tout le monde crie, ça craque dans le coin, ça pull. Crac, trop de puterie, les ponts crèvent. J'suis clean même sous un pull, crac.